responsable, on est un peu la société, la politique, la personnalité du régent, de son bras droit, l'abbé Guillaume Dubois. Voilà, et puis tout ce qui s'est passé pendant ces années un petit peu de qui ont été dans l'histoire de France, une trace un peu mythique, une sorte de parenthèse dans la très longue monarchie absolue, donc arrivée en France en 1789. Alors, on s'intéresse à ça tout de suite, ça fait un transition constitutionnelle. Nous sommes en 1721, donc la régence n'est pas tout à fait terminée. Le fait essentiel, c'est que le jeune Montesquieu, un jeune de 32 ans quand même, qui est considéré tout à fait un jeune, mais quand même il est peu connu, donc il y a quelque chose qui n'a pas publié ce livre, dans ses échanges épistolaires. De façon anonyme et il va le faire à l'étranger. Voilà, donc c'est vraiment ça qui est important. Donc, comment. Alors, pour réfléchir ces deux dans cet aspect et puis poser des questions qui se rapportent, donc nous avons eu avec nous donc, Catherine Volpidac, donc professeur émérite de littérature française, normalienne, membre d'honneur de l'Institut universitaire de France. Et puis surtout aujourd'hui, ce qui nous occupe, c'est le président de la société Montesquieu. Et puis donc, vous êtes attelé depuis trois décennies à l'édition complète des œuvres de Montesquieu. C'est dire quand même l'importance de l'œuvre, hein, puisque cette œuvre, notamment, elle fait ça dans son ensemble, une toute petite partie. Et l'esprit des lois, si on le rajoute à l'esprit des lois, ça nous a fait une partie de. Voilà, 5%. Donc, nous avons publié 5% sur 22. 5% sur 22, 5%, oui. Donc, là, c'est quand même considérable. Alors, donc, c'est de lui dont vous parlez, de Catherine Voltaire. Et donc, pour vous donner la réplique, pour compléter vos propos, donc, Jean Pérel, de nous avoir rejoint, je vous remercie simplement parce que vous êtes. Nous avions l'intention de visiter aussi Cécile Spector, donc philosophe qui malheureusement donc a dû déclarer forfait pour des raisons qui n'étaient pas responsables. Et donc vous avez été présentement accepté. Je crois que vous connaissez très bien d'ailleurs Catherine Voltaire qui nous a tout de suite sollicité pour venir nous sauver. Vous écrivez également, vous êtes vous-même philosophe, professeur de philosophie, émérite à Bordeaux-Montaigne. Vous n'êtes pas spécialiste de Montesquieu à la base, même si vous connaissez très bien. Votre philosophe de référence, c'est un Anglais, Thomas Hobbes, qui n'est pas de la génération de Montesquieu, qui est un philosophe qui est tout un contemporain de Descartes, avec lequel d'ailleurs il a eu un certain nombre de mal à partir, il a rompu des lances avec Descartes. Donc, un peu plus de siècle avant l'époque de Montesquieu, un peu moins. Voilà. Il a été montré en termes de philosophie politique, c'est un motif très très important puisqu'il a publié un livre fondateur qui s'appelle Le Léviathan. Voilà, je ne sais pas si ça parle de vous, voilà. En tout cas, un livre de philosophie politique fondateur, surtout qui est important pour l'esprit des lois, enfin, tout cas, même de Québec. Voilà. Donc, Montesquieu et la liberté d'expression, le contexte particulier. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire, je tourne vers vous, donc, cet abonnement de Montesquieu et cette édition de la personne à Amsterdam, etc., ça signifie que, quand même, on est sous la régence, il y a quand même une chape de plomb. Hein. Mais comme on très bien dit les historiens qui nous ont précédés, effectivement, en fait, rien n'a changé. Sur le plan administratif, sur le plan de la monarchie absolue, on est toujours sous le même régime. Et pour la publication des livres, c'est le régime de la censure préalable. C'est-à-dire qu'aucun ouvrage n'a le droit d'être publié en France s'il n'a pas été utilisé par un censeur. Dans le cas des lettres persanes, l'ouvrage a été soumis à la censure, la réponse est bien et nette, réprouvée absolument. Donc, imprimé, alors, l'anonymat, Montesquieu n'a jamais mis son nom sur un ouvrage, sauf un opus qui a envoyé à l'Académie, mais vous ne trouverez jamais uniquement de Montesquieu en France une édition avec son nom. On va dire par prudence, peut-être, Montesquieu n'écrivait pas dans
jeune il a 32 ans, il est président par exemple Bordeaux, très gros propriétaire canadien, comme vous voyez, qui a tout bas, etc. C'est un des personnages les plus importants à Bordeaux. À mon avis, il ne connaît pas grand-chose. Mais il voulait être libre, il ne voulait pas que son nom soit traîné dans la boue, et donc il publie sous l'anonymat. Et il publie en Hollande, il envoie son secrétaire porter le manuscrit en Hollande. Pourquoi l'Hollande? Parce qu'il y a beaucoup de textes, il y a des compositeurs, des typographes par les Italiens français, parce qu'ils ont quitté la France en masse, tous les protestants ont quitté la France. Beaucoup de protestants ont quitté la France en 1885 au moment de la relocation de l'Aiguillonnant. Donc, c'est aussi un premier problème. On ne peut pas pratiquer sa religion en France. On ne peut pas publier les romans, on ne peut pas pratiquer sa religion. Petit rappel, la femme de Confucius est protestante. Tout le monde, Jeanne de l'Arctique, est protestante. Et elle continuera à pratiquer son culte toute sa vie. Donc, pas de liberté de conscience, pas de liberté d'expression, pas de liberté d'impression. Il envoie son secrétaire porter le manuscrit et évidemment l'ouvrage arrive en France. Pourquoi? Eh bien, on l'a dit, ça a été un succès, cela a été cité tout à l'heure, toute la France a été libre de l'ouvrage interdit, enfin, aussi parce qu'il était interdit, bien sûr, l'après du fait défendu. La censure a beaucoup fait pour le succès des lettres médicales. Et donc, voilà l'ouvrage, imprimé à l'étranger, imprimé, réimprimé, contre-imprimé, surimprimé, parce que, pour un libraire, c'est vrai, pour une série aujourd'hui à l'éditeur, c'est la clause d'or. Moi, je suis des lois, mais c'est la clause d'or. Donc, ça passe en France, ça passe par tous les moyens, c'est enfermé dans des ballots de livres religieux, dans des charrettes de foin, dans des... Vous savez, c'est pas premier à l'époque, c'est du petit format, ça passe facilement, ça passe, c'est réimprimé aussi discrètement en France, à droite et à gauche, mais Montesquieu, ni Gattache, par exemple, on sait au bout de un mois, deux mois, que c'est un président, de président à Montesquieu, un inconnu de Bordeaux. On finit par le tracer pour tout savoir. Et évidemment, à ce moment-là, l'ouvrage a eu un tel succès que, eh bien, on ne peut plus faire autre chose que l'introduire. Et puis, j'avais entendu dire qu'une fois, les historiens continueront sans doute, et les juristes encore plus, mais je vais vous dire ce qui se dit quelquefois. Selon actuellement, dans la France d'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas interdit, est terminé. Alors que sous l'Ancien Régime, tout ce qui n'est pas expressément permis est interdit, bon, sauf quand c'est toléré, on ne peut pas faire autrement. Eh bien, au bout d'un moment, on ne pouvait plus interdire les êtres sexuels, enfin, elles sont toujours officiellement interdites, mais on finit par faire des yeux, parce qu'on ne peut pas être derrière chaque colporteur, derrière chaque vendeur, qui diffuse les êtres sexuels. Donc le vrai temps de censure, hein, on va dire, on est pas. Le vrai censure, mais donc avec les trous dans la raquette, quoi. Voilà. Exactement. Voilà, les trous dans la raquette. D'ailleurs, les autorités, donc ça, fermer les yeux quand il le faut. Et donc, est-ce que Montesquieu est quand même un personnage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand même sous considérable, du moins important. Ah oui. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on ne va pas dans les clés? Oui, et puis, vous voyez, il y a une manière de faire. Par exemple, Voltaire, après bien sûr attirer l'attention. Voltaire a choisi la voie de la provocation très souvent. C'est-à-dire que non seulement il fait des choses extrêmement suctueuses, mais en plus, il se montre partout, il revendique partout, Montesquieu est beaucoup plus réservé. Donc, de ce point de vue-là, la monarchie s'accommode assez d'une telle pratique. La monarchie n'aime pas trop les têtes qui dépassent. Donc, c'est aussi pour ça que l'œuvre de Montesquieu a eu un tel retentissement au point que, par exemple, Bourguignard d'Alembert écrit à Voltaire
monsieur de Montesquieu qui a su très bien, non pas concilier les choses, mais avoir des idées extrêmement audacieuses et les faire passer. Parce que c'est cela aussi que nous montre Montesquieu, c'est qu'on peut dire des choses d'une audace terrible, ce que M. Juppé a cité tout à l'heure sur la Trinité, sur le pape qui fait croire au roi de France. Vous voyez les gens, finalement, le pape est un manipulateur, et le manipulateur de quelqu'un qui lui-même manipule les esprits pour faire croire que la droit dans les bouquins, c'est que Jésus-Christ est dans le style. Ça s'appelle un blasphème. Tandis que revendique le droit au blasphème. Voilà. Eh bien, est-ce qu'on a inquiété un jour Montesquieu ? Absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'il le dit de manière très drôle. C'est aussi ça, c'est aussi la langue du système siècle. De dire des choses incroyablement nouvelles et audacieuses, mais de le dire aussi de manière très drôle. Et une fois que vous avez tiré quelqu'un, ça passe. Alors on va revenir aux audaces de Montesquieu, mais je me tourne vers Jean Perret. Vous avez évidemment, parce que c'est pas la première fois qu'on a dit que des intellectuels français, avec lui à l'étranger, Descartes par exemple, va publier des méditations, pas sous le contrôle, à l'étranger également, donc il y avait déjà quand même le poids qu'on a presque un siècle auparavant, le poids de cette censure qui sont obligés à aller du côté de la Hollande, du côté plus libéral, pour faire sortir un certain nombre de textes qui ensuite évidemment allaient rentrer en France sous le manteau et puis se répandre. Oui, avec la publication étrangère et générale, mais même en Angleterre, où quand même la situation est avec le point de vue de la censure, il y a en partie des publications étrangères. Par exemple, vous parliez du Léviathan tout à l'heure, si le Léviathan anglais était publié en Angleterre, bon, il est vrai, dans un moment relatif, il y a des expressions, c'est-à-dire pendant la guerre civile, ensuite le Léviathan latin était publié en Hollande. Bon. Donc en fait, effectivement, c'était une espèce de règle générale. Voilà. Alors je laisse la parole, parce que je vous ai préparé peut-être quelques propos là, concernant donc, le Montesquieu. Au moment de la publication des lettres persanes, il était avec ses audaces et sa position vis-à-vis de la censure. Hein, donc, comment se voit. Alors, il se trouve que moi, je connais pas les personnes de Québécois, parce qu'on est en train de travailler avec la CNIL, une nouvelle édition des Québécois. On était encore dessus ce travail hier après-midi, tout après-midi. Je ne sais pas combien d'années ça va nous prendre, parce que bon, c'est un travail très très long. Donc, je vais essayer d'expliquer en fait, au fond, comment Montesquieu conçoit la liberté d'expression. Catherine vient de préciser dans quel contexte social et politique Montesquieu lui-même exerce cette liberté d'expression, finalement, et en même temps, la revendique dans ses œuvres. Bien. Et il me semble que pour bien comprendre ce qui se passe, il faut préciser le statut, disons, politique de la France à cette époque. Pour Montesquieu, la France n'est ni un média despotique, où un seul monarque exercerait les trois pouvoirs fondamentaux, Alain Juppé a rappelé tout à l'heure, législatif, exécutif et judiciaire, où il n'existerait aucune indépendance des juges et aucune liberté d'expression. En fait, on a vu qu'il y avait quand même une liberté d'expression relative, on pouvait être la censure. La France n'était pas non plus, c'est l'autre pôle, comme l'Angleterre, après, disons, la révolution qui a cassé l'esclave du pouvoir, la France n'est pas non plus un État dont la Constitution est libre, évidemment. Hein, c'est une monarchie absolue. Et un État dont la Constitution est libre, ça suppose l'indépendance du pouvoir policière et l'existence à côté du monarque, d'un Parlement qui exerce ce pouvoir politique et militaire et le roi payant le roi de veto en gros, hein, pour faire vivre. Et donc, dans un tel État, le peuple est libre, chaque citoyen du Montesquieu est réputé, la formule est belle, avoir une volonté propre et doit pouvoir dire ce qu'il pense, dire et écrire tout ce que les lois ne lui ont pas défendu expressément de dire et d'écrire. Alors, il faut quand même préciser qu'à cette époque en Angleterre, la citoyenneté dont
l'autonomie de la volonté et la condition, et en fait préserver du point de vue du pacte sanitaire à une toute petite minorité. Et donc, pour Montesquieu, la France n'est ni un État libre, ni un État despotique, mais un État que Montesquieu appelle modéré. Modéré, ça veut dire ici que sans que l'État soit totalement libre, il y a quand même un certain usage de la liberté d'expression. Si le roi légifère en France et fait exécuter les lois, il s'abstient, ou du moins doit s'abstenir, de juger par lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une relative indépendance des juges. D'où la relative liberté d'expression que Catherine a décrite par rapport à une censure qui est quand même tout à fait présente. Alors, il semble qu'il faut tenir compte de cette différence entre la France et l'Angleterre pour bien comprendre ce que Montesquieu dit de la liberté d'expression d'après les personnes dans l'esprit des lois. Dans l'esprit des lois, le livre où il n'est plus question de la liberté d'expression, c'est le livre 12 qui traite de la liberté politique du citoyen. Alors, je rappelle la définition de la liberté politique du citoyen, c'est la sûreté pour le citoyen, ou du moins l'opinion que l'on a de sa sûreté. Et dans ce livre 12, qui est censé parler de toutes les formes de gouvernement, en fait, l'Angleterre est complètement absente. Alors qu'elle a été l'objet phare, si je puis dire, du livre précédent, puisque les livres précédents c'est du bronze, et vous savez que dans le livre bronze, il y a le chapitre le plus célèbre de l'histoire des lois, qui est le chapitre 6 sur la constitution d'Angleterre. Et en fait, dans le livre bronze, la liberté d'expression, je dirais l'Angleterre, du moins dans l'Angleterre britannique, qui a une référence à un Tudor, mais l'Angleterre des Tudors, c'est pas la liberté. Donc l'Angleterre, comme miroir donc l'État libre, est complètement absente. Or, dans le livre 12, par contre, il me semble que la style implicite, expliquer pourquoi je parle de signe implicite, c'est l'attente. En fait, il y a assez peu question d'attente. Du fait de la lecture de Montesquieu, sa façon de pas provoquer, etc. Il prend d'autres exemples, dans l'Antiquité, dans les écrits orientaux, etc. Mais en réalité, l'objet de la défense de la liberté du citoyen et donc de la liberté d'expression, c'est effectivement la situation française. Et en effet, un tout chapitre à peu près sont consacrés aux dangers pour la liberté des citoyens et donc aussi pour la liberté d'expression, des accusations qui étaient très fréquentes à cette époque de lèse-majesté. Alors il faut rappeler que, en fait, lèse-majesté, ça veut dire en fait tout simplement lèse-souveraineté, puisque le premier théoricien français de la souveraineté, fin du XVIIe siècle, Jean Bodin, quand il veut traduire son grand ouvrage qu'il a écrit d'abord en français en latin, il a le mot souveraineté, il ne sait pas comment traduire en latin, et il dit pas sur souveraineté, nous, mais il dit majestas. La majesté, c'est la souveraineté. Donc le crime de la majesté, c'est le crime de la souveraineté. Et il me semble que pour bien comprendre l'importance que nous avons apporte au livre 12 à cette histoire, c'est la lèse-majesté à la fois humaine et divine, puisque le sacrilège, c'est bien d'autres comme signe de lèse-majesté divine. Donc, pour bien comprendre cela, il faut rappeler qu'au début de l'esprit des lois, quand Montesquieu définit les monarchies de type français, Montesquieu, qui auparavant, juste auparavant, a beaucoup parlé de la souveraineté du peuple à propos de la démocratie, il a beaucoup insisté sur la souveraineté du peuple encore, et hésite à attribuer au roi la même souveraineté qu'au peuple. Il hésite finalement, il finit par dire, mais il hésite à dire que le monarque est comme le peuple souverain, et en effet, évidemment, il se réduit du risque d'absolutisme et de despotisme vers lequel ces monarchies inclinent, et insiste sur la grande importance des corps intermédiaires et des contre-pouvoirs. Et en particulier sur le rôle essentiel d'une justice relativement indépendante du pouvoir royal. Du fait, je crois qu'il n'est pas surprenant que la défense de la liberté du citoyen et donc de sa liberté d'expression implique l'effort pour limiter autant qu'il est possible l'usage abusif des accusations de l'ex-majesté.
Montesquieu commence par rappeler qu'il n'y a pas lieu, comme d'ailleurs le pensait déjà, qui pour ça est un défenseur de la monarchie absolue, qu'il est pensé qu'il n'y a pas lieu de les incriminer. D'ailleurs, je cite la phrase, mais que l'homme serait tout estimé, les lois ne se chargent de punir que les actions extérieures. Le corps intérieur est hors de la législation des lois et donc du pouvoir royal. Il en va de mal en fait pour les paroles, qui ne forment, donc l'esprit, qui ne forment pas un corps de délit et ne restent que dans l'idée. Mais finalement, la chose est plus délicate pour les écrits, qui bien sûr contiennent du Montesquieu quelque chose de plus permanent que les paroles, et je voudrais citer ce que dit Montesquieu sur les monarchies à propos des écrits. Dans les monarchies, les écrits, on les défend. Mais on en fait plutôt un objet de police que de crime. Il peut abuser la malignité générale, contrôler les mécontents, donner au peuple la patience de souffrir et le faire vivre de ses souffrances. Alors, il faut admirer la lecture de Montesquieu. Il décrit ce qui se passe dans un état comme la France, en apparence, il est sans un mot d'approbation. De désapprobation, si vous avez bien suivi le texte, sauf qu'on dit que des écrits satiriques contre les ministres ou même contre le roi et son entourage ne relèvent pas du thème de l'humanisme. Alors, il semble que pour bien comprendre ce statut de la liberté d'expression en France, il faut un petit peu parler de la liberté d'expression dans un état libre, et Montesquieu, en fait, à propos d'Angleterre, évidemment, au livre 19, chapitre 27. Alors, la liberté du citoyen est assurée par une distribution judicieuse des trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Le pouvoir du juger est dit séparé des deux autres. Je précise, entre parenthèses, le premier débat sur la séparation des pouvoirs sur une espèce qui n'en est non pas tout temps, c'est la seule référence explicite à la séparation dans tout le chapitre. Il n'y a pas un autre usage, il n'y a jamais le mot de séparation, ou des techniques séparées par d'autres endroits. Donc, sauf état d'exception, ça c'est un point très important, le pouvoir judiciaire est le seul endroit, ça c'est une thèse très radicale, usé de la contrainte contre les particuliers pour faire exécuter des sanctions pénales. Je dirais qu'en termes d'aujourd'hui, je vais dire peut-être en termes provoquant de ceux qui sont utilisés par Montesquieu, parce que comme Catherine l'a rappelé, il est très peu provocateur, je dirais que pour Montesquieu, je dirais simplement que la police n'est pas l'armée. La police a un statut radicalement différent de l'armée. La police dépend des juges, l'armée dépend du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Et c'est le fondement de ce qu'on appelle à l'époque, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, la guerre pour tous. Alors la conséquence de cette institution, c'est que l'usage de la liberté d'expression est étendu à tous les adultes citoyens, sans que, c'est-à-dire avoir une volonté propre, parce que leur pauvreté, leur sexe social, je pense domestique en particulier, ou leur sexe, ne les met pas dans une situation de dépendance. C'est-à-dire pour avoir une volonté propre, il ne faut pas être dépendant. Bien sûr, on est loin de la situation actuelle, de nos démocraties, du fait de ces définitions finalement très restrictives de la citoyenneté. Mais on peut dire que, si on compare l'Angleterre et la France, que l'usage de la liberté d'expression est élargi et commence à être démocratisé. Donc, on voit le fait de Montesquieu, mais c'est ça dont il s'agit. Et là, il y a une grande différence avec la France de l'époque où la relative liberté d'expression est réservée, disons, à une toute petite élite. Cherche à s'accommoder de la censure, à négocier avec elle de la censure. Alors, si Montesquieu est partisan d'un tel élargissement, je dirais, d'une démocratisation de la liberté d'expression, alors ça, c'est le point peut-être le plus important pour nous aujourd'hui, je crois, il est loin d'idéaliser. Il en écrit de manière précise des travers, et je crois que ces travers peuvent être encore d'actualité aujourd'hui. L'autonomie de la volonté, le fait de faire valoir à santé son indépendance, en somme le fait de ce qu'on appelle penser par soi-même. Le corps du corps,
pour montrer que du moins qui le grand nombre, à une attitude rationnelle, à la recherche de la vérité, mais au contraire, en déchaînant libre des passions. Je dis pour des yeux, la haine, l'envie, la jalousie, la peur de s'enrichir et de se distinguer. De là, pour le grand nombre, demande d'équité, l'esprit partisan, et aussi, et je pense aussi à la situation actuelle en France, une très grande instabilité. La facilité par souci d'indépendance à suivre ses caprices et ses fantaisies. On passe aisément d'un parti à l'autre. On abandonne ses amis qui ont des yeux pour suivre ses ennemis. C'est quand même faux. Et sans abuser des citations, je voudrais vous lire l'avant-dernier alinéa du chapitre 27 du livre d'or. Pardon, sur lequel je me suis appuyé, pour Montesquieu, en fait, vous allez voir, combat les monarchies absolues et la monarchie anglaise. Dans les monarchies extrêmement absolues, les historiens trahissent la vérité parce qu'ils n'ont pas la liberté d'être. Dans les États extrêmement libres, c'est l'Angleterre, ils trahissent la vérité à cause de leur liberté d'être. Chacun, comme cette liberté produit toujours des divisions, chacun devient aussi esclave et privé de sa faction qu'il le serait un despote. Alors vous voyez que de manière paradoxale, l'extrême liberté se retrouve en servitude. Mais cela ne conduit pas Montesquieu, alors c'est le dernier paradoxe, si vous voulez, à condamner l'élargissement de la liberté d'expression en Angleterre et dans les États-Unis. Dans les États-Unis, comme avant lui en dit, il estime que le rêve des passions, des conduites intéressées, de l'esprit partisan, etc., toutes choses qui nous paraissent négatives, peut avoir des effets positifs et contribuer à une vie politique libre. Sans ces passions, qui m'ont des yeux, l'État serait comme un homme abattu par la maladie. Ce que la vertu politique à l'ancienne, disons l'amour de la patrie, des lois, de l'égalité, faisait dans les démocraties antiques et qu'elle ne peut plus faire dans les États modernes, eh bien, le débat incessant suscité par les divisions sociales et politiques le fait dans les États modernes. Alors, je crois que c'est très important de ne pas confondre ce qu'il dit de l'Angleterre, la liberté d'expression en Angleterre, et ce qu'il dit sur la liberté d'expression en France. D'une certaine manière, ce qu'il dit sur la liberté d'expression en France, c'est pour nous relativement exotique. Pourquoi c'est pour nous relativement exotique? Parce que nous ne sommes plus dans cette situation de cette monarchie qui s'enture et qui permet d'extraire, etc., etc. Nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Mais par contre, je dirais que ce qui se passe en Angleterre, tel que le contexte de décrit, ça illustre beaucoup mieux ce qui se passe aujourd'hui dans la démocratie libérale. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de cet exposé très tactique, voilà, très concret, donc sur les conceptions que Montesquieu nous dit de la liberté d'expression, son cadre. Alors, finalement, on s'est beaucoup sur l'esprit des lois, donc, c'est-à-dire donc, son maître ouvrage qui va paraître, je crois que c'est 25 ans après, hein, il y a peut-être ça, dans le fourneau. Donc, évidemment, il a eu le temps de s'attenter, il a eu le temps de maturer, justement. Et donc, au moment de cette personne, il rentre et je pense qu'il est un peu loin d'être rentré dans toute cette complexité, est-ce que les idées se disent vraiment lorsqu'ils ont trouvé des personnes sortent, est-ce qu'il y a une espèce de cette armature intellectuelle, on pense que non. Bien sûr, mais disons que l'objet aussi n'est pas le même. Dans l'esprit des lois, il théorise, il cherche aussi quelles sont les institutions qui sont le mieux adaptées, d'une part, à la liberté, au bonheur des hommes, et en fonction de chaque pays. Parce que la grande nouveauté de Montesquieu, c'est de ne pas dire, comme beaucoup de penseurs politiques avant lui, cherchons le meilleur gouvernement. Cherchons le gouvernement le plus adapté. Et le plus adapté aux coutumes d'un pays, à son histoire, à tout ce qui le fait être particulier. C'est pour ça que, aussi, en Angleterre, les choses ne sont pas les mêmes qu'en France. Elles ne peuvent pas être les mêmes qu'en France. Et justement, ces problématiques-là, elles sont abordées dans les lettres de Versailles. Juste
le fait que on doive adapter la réflexion à un pays, c'est tout à fait novateur, etc. Et évidemment, après, il va construire la fracture intellectuelle, après, il va développer l'argumentation et surtout étudier quelles institutions peuvent favoriser ça. Et dans les lettres personnelles, il a déjà la certitude, alors il connaît très mal le monde de terre, au moment des lettres personnelles, par exemple. Il fait son voyage en Europe à partir de 1728. Et donc, par exemple, il dit qu'il n'y a aucune protection pour l'individu en Angleterre. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre, c'est un pays où on a tué le roi, où on a fait un procès au roi pour l'être à mort. Donc ça, ça fait quand même très peur. Les Anglais ont la réputation d'un peuple remuant, extrêmement dangereux. Bon. Alors qu'en France, c'est la stabilité, merci Louis XIV. Donc, on a cette image-là de l'Angleterre, et bien, lui, répète, il n'y a aucune garantie pour la liberté, enfin, il n'y a même pas ça la liberté individuelle, il n'a jamais entendu parler de la liberté en plus. Bon. Mais c'est pas grave. Il a surtout, évidemment, il va vivre en Angleterre, il aura le temps de découvrir. Et donc, s'intéresse à des problématiques qui sont celles de l'esprit des lois, comment faire le bonheur des gens, comment leur permettre la liberté, en fonction de leur histoire, en fonction de ce qu'ils font. Ça, c'est radicalement nouveau. Alors, Jean-Pierre a insisté sur le point de la quitté de Montesquieu, sa modération aussi. Il dit des choses qui sont très narratives pour l'époque, hein, qui serait peut-être encore aujourd'hui. Hein, quand on dit que le roi est nu, c'est toujours aussi abrasif, hein, aujourd'hui comme bien. Le roi est nu, voilà. Il y a des passages, en fait, on va aussi dire que ça, le roi. Oui, alors en même temps, il faut faire rire, mais le roi de France, il a un général de 18 ans et une maîtresse de 80. En même temps, sur un accès, ça ne s'est peut-être pas beaucoup mieux. Donc, on recherche si la maîtresse avait 18 ans et que le général 80, à l'époque, ça fait beaucoup 80. Donc, il y a une manière de prendre les choses qui est à la fois très profonde parce qu'il va à la racine des choses, parce qu'il remet en cause le pouvoir absolu. Il remet en cause, alors non pas la religion, parce que Montesquieu n'est pas athée, il a horreur de l'athéisme. C'est vraiment quelque chose qui le réduit, mais il ne supporte pas l'emprise de la religion sur les esprits. Et de ce fait, de même, le pouvoir, qu'est-ce que a voulu faire Louis XIV quand il a voulu éradiquer le jansénisme et éradiquer le protestantisme? Il veut s'emparer des esprits, il veut que tout le monde de la même manière. Alors, avec les moyens de l'époque, hein, on n'a pas les moyens et on n'est pas dans un régime totalitaire. Mais le principe que tout un peuple doit avoir la même foi que son roi, sa possession, hein, etc. Alors, lui, il a accompli toute sa vie ses devoirs catholiques, mais il a laissé sa femme, donc, comme je le disais tout à l'heure, et ça lui de même que, bon, ça, à l'époque, c'est courant, il a un petit commerce avec des juifs, ils sont parfaitement intégrés à la société, mais donc le fait qu'on puisse imposer des croyances, c'est quelque chose d'important. Vous avez parlé de l'adresse avec laquelle il se positionne. Vous avez l'air de voir que c'était quelqu'un qui pose des critiques au fond, mais qui respecte les formes. Hein. Les formes, c'est une expression, hein. Ça peut être une parole très maîtrisée, une écriture très maîtrisée. Enfin, quand même, quand on lit les lettres du fait que personne, donc à son tirage, c'est franc du collier quand même, hein. Il dit des choses comme elles sont, comme une défense, sur le pape, sur le roi, sur les femmes, sur l'enquisition sur les femmes, sur tous les sujets, sur l'objet de sa critique. Et je crois que si on compare
les répertoires des techniques postérieures de Montesquieu, je crois que ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que dans les répertoires, dans la mesure où, en fait, là, c'est tout ça que je veux dire, bien que les usages de la satire, comme le Catherine l'a très bien montré, qui dit des choses extrêmement provocantes. Je crois que dans l'esprit des lois, mettons, c'est-à-dire la politique, comment dire, l'affirmation des positions est plutôt superbe, et le mettons est donc est complètement, parce qu'on est dans une vague, c'est une vague, si vous voulez, à la réflexion conceptuelle. J'ai un point que je n'ai pas montré, mais qui me paraît important, aussi, pour comparer le statut de, peut-être de la. La liberté d'expression dans l'esprit des lois, au fond, dans les personnes, il y a encore, très admiratif pour les républiques et pour les républiques antiques. C'est là qu'on se dit que la liberté est la plus grande. Par exemple, il y a un texte sur un poste de Hitler qui occupe Michel. Qui a refusé la République de retrait des Romains. Ces Cappadociens, ils ont voulu être habitués à la monarchie, de l'ancien monarchie, et Montesquieu traite cet exemple en termes de servitude volontaire. C'est des gens qui préfèrent être esclaves qu'être libres, parce qu'ils ont tous la République. Et quand, dans l'esprit des lois, Montesquieu reprend un exemple, ce thème de la républicaine, de la servitude volontaire, disparaît complètement. Donc, il me semble que dans l'esprit des lois, au fond, ils pensent toujours que la liberté politique peut exister dans la République, mais entre les deux, il est romain, il a réfléchi sur l'expérience de la République romaine, etc. Et au fond, l'idée, c'est que pour essayer de proposer un modèle de constitution libre pour la modernité, il faut quelque chose qui ressemble au système anglais. Et si c'est une république, comme par exemple en Hollande, parce que les exemples de la république à l'époque, c'est la République Provinces Unies, et bien il faut que les Provinces Unies aient un quasi-monarque qui serait le statuaire. Et vraiment, qui critique la période où ce statuaire, ce quasi-monarque est étudié. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence entre les deux. Alors, merci beaucoup, on revient peut-être à la manière dont Montesquieu contourne la censure dans les personnes, il utilise des techniques. Alors, on l'a dit, il était parlé à d'autres personnes, il utilise beaucoup de techniques. Voilà, ce qui est la personne, enfin bon, ça permet quand même de dire, c'est pas moi. Il y a l'ironie, il y a le décentrement de la perspective, qu'est-ce qu'il y a de. On a parlé, donc il met en place tout un dispositif pour pouvoir dire les choses la plus transparente et en même temps sur un des tours de prise à la censure. Hein. Il n'a pas, la censure, on peut dire, elle fait quoi? Oui, la censure, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Alors, il n'a pas inventé le principe de faire partir l'étranger d'évoquer, par exemple, il y a cette lettre très célèbre où Lucas, un des personnages, se trouve à la Comédie française et il ne voit pas que. Il ne pense pas que ce sera ça, il pense que c'est pas fait dans la salle. Voilà. C'est ce que je veux dire. Ah ben voilà, parce qu'on est allé au théâtre pour rencontrer des gens, pour se faire voir, etc. On pouvait écouter un petit peu, on pouvait écouter un peu de musique au passage. Mais c'est les grands personnages de l'horloge, c'était un lieu social. Un spectateur de 2021, d'ailleurs, se scandalisait de l'ambiance qui régnait dans les théâtres à l'époque. Voilà, donc, il montre cela. Et donc, il se moque, bien sûr, il s'en moque absolument, alors on va dire que ça ne porte pas à conséquence. Il y a peut-être quelques-uns qui se sont sentis visés.
Il ne faut pas oublier aussi que tout ce qui est dit, on a parlé du 14, on va dire, oui, mais on est sous la régence. Et attention, le roi, il a un petit fils de Louis XIV, et on est dans la continuité parfaite. Donc, insulter en quelque sorte Louis XIV, c'est insulter le roi. Il y a quand même, c'est l'autorité royale, c'est la monarchie. Donc, on ne doit pas y toucher. Mais vous voyez, il y a aussi autre chose. Alors, donc, je vous dis que ce n'est pas lui qui a inventé ces sentiments. Le fait, donc, d'avoir un personnage qui ne comprend pas ce qu'il voit et qui, du coup, fait éclater la convention. Ça a été, il y a un ouvrage qui a eu un très grand succès qui s'appelle Les Sculptures, qui, de la même manière, les sculptures pour les contre-étiennes, qui, de la même manière, décrit avec ses propres mots, en faisant semblant de ne pas les comprendre, les institutions auxquelles il se trouve confronté. Mais quand vous prenez les sculptures et les lettres personnes, eh bien, il y a un monde entre les deux, évidemment. Et il y a sur lequel l'art d'écrire qui n'a pas le même sens pour un philosophe et pour un littéraire. Hein, ça fait partie des difficultés pour un philosophe, ça veut plutôt dire l'art de dissimuler sa pensée sous un. Non pas dissimuler, mais de faire comprendre sa pensée sous une certaine manière d'écrire. Alors que pour un littéraire, c'est plutôt jouer de toutes les ressources de la rhétorique, de l'expression des idées. Mais donc, moi, je crois qu'il y a, chez Montesquieu, la très grande capacité de réinterpréter les modèles. Donc, il n'invente pas les modèles de l'observateur persan, hein, il le réinterprète complètement. Et il modifie complètement les choses. Par exemple, tout à l'heure, il y avait des questions de l'ambassade de Pest, l'ambassadeur texan, en 1715, à Versailles. Saint-Simon rapporte la scène. Et il évoque 1715, il y a quelques semaines avant la mort du roi, qui veut paraître dans toute sa splendeur, et qui a du pouvoir sur le poids des diamants, parce qu'il n'en peut plus. Il est malade, il va mourir. Surtout, l'ambassadeur est pitoyable. L'ambassadeur, il prend chemin pour survivre, il a vendu tous les cadeaux. Il se présente, c'est une véritable honte. Qu'est-ce qu'on dit, Saint-Simon? Le roi a été abusé. C'est un imposteur, cet ambassadeur. Il ne peut pas venir de la face du chat perse. Montesquieu interprète tout différemment. Il dit le pauvre homme, cet ambassadeur, il va se faire couper la tête quand il va revenir. Lui, vous voyez, chacun focalise sur ce qui l'intéresse. Saint-Simon, c'est l'effondrement de la grandeur royale. Montesquieu, c'est cet homme qui est un peu un imposteur, mais bon, qui n'a pas eu de chance, et qui va se faire couper la tête. Voilà. C'est ça aussi, les maîtres personnes. C'est pas seulement manquer des grandes. Les grands hommes, les institutions, etc., c'est aussi porter un regard, déporter un peu le regard. Et cet art, alors, et là, on va faire se rencontrer le philosophe et le littéraire, l'art de déporter le regard, c'est une démarche philosophique. C'est une technique littéraire. Je suis content, je me suis dit, je repensais à la jeunesse de la personne, on ne sentait pas grand-chose, évidemment, de la jeunesse de la personne. On était quand même en train de nous dire que cette ambassade de 1715 à la cour de Louis XIV peut avoir été une source très petite de la personne qui apparaît 6 ans plus tard. Donc est-ce qu'on en est sûr? Et deuxième chose, est-ce qu'on sait qu'elle était au point prochain qu'on est sûr en écrivant les personnes? Il apparaît que c'était des choses qui ont été écrites au fil des années, que j'ai rencontré. Est-ce qu'il y a des départs un projet politique, un projet littéraire, un projet d'art? Alors, d'abord, les personnes ont beaucoup joué pour la constitution de son école d'écrivain, de philosophe, parce que quand il a vu le succès qu'il a vu, c'est que ça encourage à construire. Néanmoins, l'ouvrage qui suit en 1725, le temple de Dominique, n'a rien à voir. 1734, alors entre-temps, il donne des communications.
public, donc pas encore rien à voir. Comme 734, j'en ai fait allusion, les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence, c'est un tout autre point sur une grande histoire politique à propos de l'histoire romaine. Et en 48, encore autre chose, excusez-moi. Donc c'est quelqu'un qui balaye tout, qui s'est complètement renouvelé chaque fois. Pas tout à fait, parce que l'esprit anti-nouvelique, on est dans une sorte de méthode systématique de savoir qui se complète, qui s'élargit, etc. Là, il crée des formulaires. Vous savez qu'il y a un genre assez développé dans la critique sur Montesquieu, c'est quel est le genre pour l'esprit des lois. Là, vous pouvez tenir tous les colloques que vous voulez, faire tous les articles que vous voulez, il y en a qui disent c'est un traité, mais non, c'est pas un traité, voilà, c'est quelque chose qui a une forme de traité. Bon, on peut y passer des heures. De même, il y a des professeurs, moi j'ai mis en idée que ce n'est pas un roman, enfin que j'ai envie de le faire, c'est pas vraiment un roman, mais que dans l'édition posthume, il fait tout pour insister parce que c'est pas des vrais personnages, il fait que les gars, ce sont des grandes paroles. Bon, on peut occuper beaucoup les universitaires avec la question du genre. De même, dans plus de 1000, on disait, oh ben oui, c'est une espèce de galanterie mythologique. J'ai commencé à m'y intéresser un petit peu l'an dernier, mais pas du tout. C'est une œuvre qui porte les valeurs fondamentales de Montesquieu, c'est-à-dire le droit au plaisir, le droit au bonheur, le droit des corps, hein, tout simplement, parce que Vénus, la Vénus de Mille, c'est une Vénus du métallique. Si vous n'avez pas avec ça l'apologie du plaisir, qu'est-ce qu'il faut chercher? Donc, voilà. Les prochains entretiens de Montesquieu sont consacrés au temple de Mille, avec le temple de Mille. Avec des images. Avec des noms. Non, le pouvoir de l'imagination, etc. D'accord. Donc, je ne dirais pas qu'il est encyclopédique, mais il essaye. Et quand il essaye, bah, chaque fois, c'est un peu de maître. Là, c'est assez remarquable. Donc, il expérimente des formes nouvelles, il expérimente des idées nouvelles. L'esprit des lois, c'est autre chose, parce que c'est quelque chose qui mature effectivement, on ne sait pas quand il en conçoit le projet, mais ça dure longtemps. Alors, le lettre versale, il y a quand même un aspect sur lequel je pense je n'ai pas insisté dans mes travaux antérieurs, c'est que voilà, d'un de ses amis, il y a des Boisson qui dit en les lettres versales, il en écrivait une de temps en temps pour se distraire. Quand son père le forçait à travailler sur le code. Quand on dit sur le code, ça veut dire que c'est en fait le droit romain, puisque les deux premières années d'existence de droit étaient consacrées au droit romain. Et exclusivement. Et on a gardé les notes de travail de Montesquieu sur le droit romain. Je remercie, c'est fini dans le monde. Ça va être complet. Moi, je ne devrais pas dire ça. Mais c'est qui a fait la collection juriste, comme on fait tous. Et donc, l'abbé Poisson, qui était son ami le plus proche, dit lorsque son père donc, le contraignait à travailler sur le droit romain, il en écrivait une pour s'accuser, pour se. Moi, j'ai trop l'image de son père le forçant à travailler sur le droit romain, mais après tout, pourquoi pas. Et voilà, donc, il y a l'idée que. C'est une récréation pour lui. C'est une période un peu ingrate, hein, ces années où il est étudiant sous la férule de son père et sans doute de son oncle, le président qui ne transmet pas sa charge. Le président avancier. J'ai demandé tout à l'heure parce que c'est bientôt un avancier. Si vous voulez, pour présider une cour de justice, il faut être président avancier, c'est le premier président du tribunal, et vous savez, à Bordeaux, je crois qu'il y a 9 présidents à Bordeaux, donc il est un des 9. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a un avenir tout tracé. Il est un fils de famille qui n'est pas du tout dépourvu de moyens financiers. Son père s'est assez bien débrouillé. En plus, un fils de famille qui doit hériter d'une plus grosse fortune d'Aquitaine, vous pensez bien que il a toutes les activités. Et en l'occurrence, travailler pendant 2
ans. Alors, on sait pourquoi d'ailleurs il est venu faire ses études à Bordeaux, parce que Bordeaux n'est pas du tout une université réputée. À Bordeaux, je pense que le père et l'oncle pouvaient surveiller. Alors, après ça, il est parti à Paris. On ne sait pas ce qu'il a fait à Paris. C'était la fin du règne de Louis XIV. Et comme l'on sait justement qu'il est très bien, on a l'image que la fête commence, on a l'image de ce qui se passe à la cour chez les grands. Et Montesquieu, étudiant à Paris, je ne sais pas ce qu'il a beaucoup étudié. C'est quoi, c'est les tabernes? C'est tout. Non, alors, il y a des notes dans la collection Yorick dont je recommande la lecture. Il y a des notes sur des procès, mais en 711. Et il y en a 400 dans 711. Tout à coup, il y a peut-être un émissaire familial qui est venu lui dire c'est temps de s'y mettre un peu, donc il va exercer sa déprocée, il prend des notes, il réfléchit. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait mal du temps? Eh bien, il rencontre Wang. Le premier dictionnaire sino-français avec Wang, qui habite en Paris, rue Bénégo, et rue Bénégo, et bien il rencontre Montesquieu à voir. Donc, il a un contact avec un étranger venu à Paris qui lui révèle un monde en Chine, et c'est absolument fabuleux, et surtout, ce n'est pas tout à fait la même Chine que celle des missionnaires. Qui ont raconté depuis deux siècles, qui n'arrêtent pas de dire à quel point la Chine est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux, un endroit où les convertis se comptent par milliers, et puis tous les Chinois veulent se convertir au christianisme. Bon, ils sont convertis, mais peut-être qu'ils n'avaient pas tout à fait dans ce sens. Et après, on dit qu'il y aura beaucoup de choses sur la Chine. Il va dire exactement les mêmes livres que tous les philosophes, Voltaire, Rousseau, etc. Tout le monde. La description de la Chine du père du Hal, lui, il va conclure que la Chine est un pays et un empire despotique, où on accuse, là, pour faire le lien avec la déesse majesté dont on parlait, Jean, ou quelqu'un qui a écrit avec un pinceau sur un livre, avec la mauvaise couleur, sur un livre sacré, là, je ne comprends pas d'eux, j'en sais rien. Sur un écrit d'empereur, est coupable de l'injustice. C'est-à-dire qu'il se dit que la Chine, cette Chine merveilleuse, cette Chine dont il y a un représentant en France, cette Chine est peut-être extrêmement inquiétante. Et tous les philosophes vont tirer de la lecture des écrits sur la Chine, vont tirer l'idée que la Chine est un pays merveilleux, et vont être le seul à dire, mais non, c'est un pays despotique, c'est un pays où l'on ne respecte pas les libertés fondamentales, c'est un pays, tout le monde vante la justice de la Chine, ben non, c'est un pays où on fait marcher les gens à toute façon. Et je trouve extrêmement intéressant que, ayant été le premier, parmi les premiers en France à rencontrer Wang, je pense que c'est peut-être de là qu'est venu l'idée d'être capable, et que les choses ont fait leur chemin, et en 1748, après l'esprit des lois, où il dit que la Chine est un pays despotique. Pourquoi il y a une idée de despotisme oriental, puisque le persan qui vient critiquer la société française ne veut dire pas, on comprend aussi, il ne veut dire pas de démocratie. Hein. Exactement, c'est ça. S'il est venu en France, c'est qu'il redoutait le courant de l'empereur parce qu'il a osé parler franchement à l'empereur. Et ça, c'est impossible. Et Montesquieu a écrit un ouvrage qui s'appelle L'éloge de la sincérité, où il
passe de manière extrêmement vigoureuse contre les flatteurs. Alors nous avons l'impression de parler contre les flatteurs quand ça relève des sentiments pieux, des paroles, du bavardage, etc. Pas du tout. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui se font vider dans ces cas-là. Et les flatteurs, évidemment, c'est tout l'entourage, si on a entendu parler, c'est tout l'entourage de Philippe d'Orléans, c'est aussi tout l'entourage, surtout du Premier ministre qui est succès, le cousin du roi, le duc de Bourbon, voilà, qui a tenu. Parce qu'il transite, parce qu'il connaît tout son temps, hein, il ne sait pas le temps de notre province, c'est quelqu'un qui, au moment, après les autres personnes, connaît bien le principal ministre, le dernier Premier ministre, qui est un ami de Fury, qu'il connaît par il a été parmi les amis de la sœur du ministre, de l'autre ministre du Bourbon. Donc c'est quelqu'un qui est très bien introduit, et quand il dénonce les flatteurs, ce ne sont pas des paroles en l'air. L'amour de la vérité et la capacité à dire la vérité, c'est une de ses valeurs fondamentales dès les premières années, dès les lettres de France. Alors tout à l'heure, vous avez tendu la perche à Jean-Pierre en parlant de cette capacité qu'avait Montesquieu à décentrer le regard. Et c'était au fond là, c'est ça la démarche philosophique, hein, c'était d'interroger l'intelligence. Alors, sur la dernière remarque de Capitaine à propos du lien entre liberté et vérité, est-ce que la liberté d'expression, ça favorise finalement la recherche de la vérité. Et c'est là que ce que j'ai dit sur la différence. La différence entre la France et l'Angleterre est vraiment fondamentale, parce que effectivement, je crois que la défense de la liberté d'expression en France est cantonnée à l'idée qu'il y a des choses qu'il faut dire, il y a des connaissances qu'il faut acquérir. Que, par exemple, il y a un texte que j'ai constitué de l'Esprit des lois, où il dit les connaissances sur la bonne organisation de la justice sont extrêmement difficiles à acquérir, même dans les pays de l'Antiquité, finalement, on n'est pas nécessairement, il faut beaucoup de temps pour les acquérir, et le rôle de l'ouvrage, justement, comme l'esprit des lois, c'est d'apporter des connaissances qui vont permettre éventuellement d'améliorer les choses en France, etc., et, comme il le dit dans la préface, de guérir les gens comme préjugés, finalement. Bon, donc là, il y a une défense de la liberté d'expression qui est articulée de façon très forte à la recherche de la vérité. Je rappelle la citation qui est donnée tout à l'heure, où il dit « Les historiens, eh bien, ils ne disent pas la vérité en monarchie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la liberté de la dire. Il faudrait qu'ils aient la liberté de la dire pour les précisions pour pouvoir la dire. » Quand on regarde ce qui se passe en Angleterre, c'est ça qui est très déroutant. On a le sentiment, au contraire, que le succès même de l'Angleterre en matière de liberté développe les passions, les conflits d'intérêts, la haine, la jalousie, et finalement, le prix à payer pour une espèce de démocratisation de la liberté d'expression. C'est quand même une discussion encore très actuelle, qu'on pense actuellement aux médias, etc. La démocratisation de la liberté d'expression aura des effets complètement irrationnels, c'est là que mon esprit est très fort, c'est-à-dire qu'il articule ses thèses à une situation sociale et politique donnée. Et ça, c'est déjà vrai dans le cadre des personnes, et c'est encore plus vrai dans le cadre des personnes. Donc, on voit bien, c'est la nuance que sur cet aspect de pamphlet, je vous ai pas dénoncé parce que c'est comme ça, parce que c'est un conseil comme un pamphlet, peut-être, alors on va expliquer, on va faire ce qu'on veut, mais en tout cas, c'est vrai qu'il existe cette nuance. Il y a une lettre de voile sur certaines choses, il dit des choses de cette façon, mais en même temps, Alors, les traductions, à l'époque, ce n'est pas forcément le meilleur vecteur de signe de fusion, parce que
beaucoup de gens parlent français dans toute l'Europe à l'époque. Mais enfin, quand même, cela aide. En anglais, cela a été traduit la nuit suivante. Or, ce n'est quand même pas tout à fait. Parce que c'était aussi. Alors, on a compris que peut-être c'était assez amusant pour les Anglais de voir ainsi montrer les Français. Mais aussi, réellement, c'était cet esprit critique. Parce que c'est aussi parce qu'on n'a pas abordé aussi certains aspects qui ont été évoqués tout à l'heure, le droit au suicide, mais ce sont des sujets extrêmement graves. Il y a aussi le principe de la corrélité du monde et de Dieu. Bon. Comme on ne va pas lâcher tout le monde, on ne va peut-être pas il faut quand même des études métaphysiques, parce qu'on parle de tout dans les lettres personnelles. Pourquoi est-ce que Dieu, est-ce que Dieu a vraiment créé le monde? C'est pas possible, parce que s'il a créé le monde, il a attendu pour ça. Et pourquoi il a attendu? Pourquoi aurait-il attendu pour créer le monde? Bien, c'est vous avez un avis sous votre comportement conquis, si vous réfléchissez à ça. Et, est-ce que peut-être le monde, on considère à l'époque que le monde a pas loin de 6000 ans, le monde a été créé en 4000 avant Jésus-Christ. Exactement, dit qu'on crée les cocheurs en 4004. Alors, c'est pas toujours extra, c'est un lundi. On a commencé le lundi, forcément, mais quel lundi de 4004, on ne sait pas. Mais, pour quelqu'un qui commence la géologie, il n'existe pas encore en tant que tel. Enfin, il est bien évident que l'idée, c'est que le monde a plusieurs dizaines de milliers d'années, peut-être plusieurs centaines, voire quelques millions d'années. Ça, c'est pas compatible avec ce que dit la Bible. Hein? La Bible dit 4000 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Ce n'est pas possible. Au détour d'une lettre personne, existe l'idée qu'on ne peut peut-être pas plus compter les années de la création que le nombre de grains de sable au bord de la mer. C'est vertigineux. Donc, quand tu as mis le péranteux tranquille, ça vaut beaucoup plus, hein. Je crois qu'il y a des gens qui ont pas vu. Et donc, c'est un succès, ça. Mais chacun y voit, ceux qui ne voient pas. Ceux qui sont portés sur la métaphysique et qui ne craignent pas. Que le monde tremble sur ses fondements, le fondement c'est la Bible, hein, on est bien d'accord. Ceux qui ne craignent pas de faire vaciller le monde, je crois que ça. Il y a des lettres d'ailleurs d'esprit tout à fait avancé, qui travaillent dans le domaine de son destin, qui disent quand même, on n'a pas le destin dans lequel on est, c'est très choquant. Vous avez Marie-Jo. Qui écrit à propos de la lettre sur le suicide, enfin, qui est-il pour pouvoir se prononcer sur le créateur? Parce que la grande question du suicide, c'est est-ce qu'on a le droit de reprendre la vie que Dieu m'a donnée? Donc la question du suicide, le droit au suicide, c'est une question religieuse d'abord. Donc, Marie-Jo s'accroche là-dessus et dit, mais qui est-il pour savoir ce qui en est des relations entre le créateur et la créature. Par exemple, c'est un peu rien, comme l'éthique. Le film est conclu, donc finalement, je crois que je finirai le livre avec autant de plaisir que j'ai commencé. Ce qui montre qu'il y a aussi ce charme dont tu parlais, dont tu as des questions. Et je pense que chacun, alors il y a ceux qui ont trouvé génial la lettre sur le roi de Saint-Égio. Sur Ricard à la comédie, parce que c'est des contemporains, c'est qu'on évoque, et qu'on a tous un jour vu, mais ça fonctionne toujours un des lecteurs de l'époque s'est dit, ils ne vont pas arrêter de parler, et qu'enfin ils vont regarder sur la scène. Voilà, ça parle à chacun. Parce que ça parle de tout. Voilà, parce qu'on va parler de tout.
qu'on pourrait être le fond de l'enquête, évidemment, tout le monde a s'y replonger. Peut-être qu'on va peut-être devoir finir cette table, puisqu'il y en a une autre qui serait derrière. Peut-être ma dernière question, je la posais tous les deux, mais donc on fait le 300e anniversaire de l'universal, donc la regarde sur notre société par le 9%. On fait aussi le 400e anniversaire de La Fontaine cette année, qui donc jette un regard sur la cour et sur les mœurs en faisant parler des animaux. Est-ce que on peut voir une parenté entre la Fontaine et Montesquieu, un petit siècle de distance, voilà, dans la façon de finalement de décentrer le regard et d'apporter, de contourner aussi, de contourner la censure et d'amener certaines vérités sur la presse publique de manière détournée. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire, qu'on doit faire? Je vois Jean-Pierre qui dit bon, vous n'êtes pas convaincu par le parallèle. Bon, non, mais bon, voilà. C'est pris de bien. Ce qu'on a dit, ce que Jean a dit notamment sur le rapport à la vérité, voilà, La Fontaine pose la question du rapport à la vérité. Comment dire la vérité par un moyen détourné? Effectivement, on peut poser le parallèle avec les lettres universales. En même temps, avec La Fontaine, le monde ne reste pas sur ses bases. Tandis qu'avec Montesquieu, il a vacillé sur ses bases. Bon, écoutez, ça sera bon comme ça. Voilà, je vous remercie.